Assalamu alaikum. En me retournant, je reconnus avec surprise mon voisin de droite que j'avais salué au début. Oui, bonjour, Babutiège. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Avez-vous aimé le prêche de l'imam? Embarrassé, j'acquiesçais timidement tout en bredouillant un commentaire positif sur le sermon. Mon nom est Rachid. Jean-Pierre. S'agit-il de votre première visite dans une mosquée? Il avait dû remarquer mes difficultés et mon désarroi durant la prière. Estimant devoir me justifier, j'étoffais ma réponse. Je lui expliquais mon désir de m'instruire sur l'islam, de découvrir cette religion autrement que par la voie des médias. Évidemment, je lui cachais que la filature d'une parfaite inconnue m'avait conduit jusqu'ici. Revenez nous voir, la mosquée est ouverte tous les jours. Un conseil, installez-vous à l'arrière, et surtout, comme vous n'êtes pas encore musulman, ne faites pas la prière. Ce serait inconvenant, vous comprenez? Il ajouta qu'il était disponible pour discuter avec moi. À bientôt. Peut-être bien. Merci de votre accueil. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Jean-Pierre, je suis heureux de vous revoir. C'est moi. Et là, c'est sorti d'une manière incontrôlable. Assalamu alaikum. Il me regarda, étonné et en même temps un peu gêné. Car j'avais élevé la voix et quelques personnes autour de nous avaient dévisagé. Mon accent arabe laissait à désirer. Vous poursuivez votre apprentissage? Vous êtes dans le bon chemin. Oui. Enfin, non. Il attendait que je lui fournisse une réponse compréhensible. Je suis venu parce que je songe à me convertir. Pourquoi avoir répliqué cela? Je l'ignore. Il tiqua sur ce dernier point. Il me fixait étrangement. Il était figé, incrédule. Mon improvisation laissait à désirer. Il devinait sûrement mes mensonges. Dans le pire des scénarios, il m'associerait à un maladroit journaliste d'investigation en reportage undercover. Jean-Pierre, je peux vous aider. Si vous avez quelques minutes, je vous prie de m'accompagner là-bas. Et puis un jour, un vendredi de la fin septembre, en attendant Rachid à la sortie de la mosquée, je remarquai un individu bizarre, que je voyais là pour la première fois. Quelques fidèles l'entouraient, le contemplant avec admiration. Son allure le distinguait de tous. Il était étranger. Il semblait avoir été parachuté d'une autre planète. Il portait un sac de sport sur le dos. Je m'en enquis auprès de Rachid. À lui ? Aussitôt, il se mit à marcher. On l'appelle Ahmed. Ahmed le djihadiste. Qu'entends-tu par le djihadiste? On en sait peu sur lui. Il est parti depuis au moins un an. Il est originaire de Somalie, mais il voyage beaucoup dans la région. Je sais qu'il a également vécu en Libye et au Yémen. Je devinais l'inconfort de Rachid à m'en révéler plus. Carrément énervé par la scène, j'insistais. Et un djihadiste, ça fait quoi dans la vie? Ça tue des gens? Ça commet des attentats comme en Autriche? S'il est un sympathisant du djihad, pourquoi l'adulte-t-on ainsi? Ce genre de comportement n'est-il pas malsain? Je l'ignore. Je ne fréquente pas cet individu. Je le salue au maximum une fois ou deux. Je te conseille de garder tes distances. Il reste quelques semaines et il repart. Tu ne devrais pas juger ainsi. Le djihad, malgré l'étiquette péjorative qui lui est accolée, n'est pas seulement une nature guerrière. Au contraire, pour les vrais croyants, c'est une approche très pacifique, susceptible de se décliner de différentes façons en tant que lutte contre soi-même, quête spirituelle, ou encore comme un combat afin d'améliorer la société. S'il te plaît, ne le réduis pas à la violence de ceux qui l'instrumentalisent. Nous arrivions au parc. La température avait changé. Le temps s'embrumait. Je n'avais plus le goût de discuter comme d'habitude avec Rachid, qui s'évertua à préciser ses interprétations du djihad pendant quelques minutes. Exaspéré par sa tolérance à ce sujet, je saisis mon mobile en prétendant lire un texto, ce qui me servit d'excuse pour le larguer sans plus d'explication. Je suis surpris de te voir. Alors ta répulsion se poursuit? Ça fait plus de 3 mois que tu n'es pas en mesure de te décider. Tu sais,
Beaucoup de gens s'interrogent sur le véritable objectif de ta présence ici. Il était direct. Permets-moi de mettre les choses au clair. C'est vrai, je me suis mal comporté chez toi. J'étais ton invité, et mon attitude, mes paroles, étaient déplacées, inappropriées. J'ai pris du recul, j'ai repensé à tout ça. Mes préjugés nuisent à mon cheminement. Je dois tracer ma route, ici ou ailleurs. Amuse-toi ta guise dans tes recherches. Mais ne te colle plus jamais à ma femme, comme tu l'as fait chez moi. Tu vis avec une femme extraordinaire. Tâche de l'apprécier. Les balises étaient fermement installées. Il me révéla la raison de sa présence. Il ouvrit l'enveloppe qu'il pétrissait depuis son arrivée et me remit un document, son CV, que je lus sans me faire prier. Je ne te promets rien. Le contexte actuel joue en ta défaveur. De plus, dans ma société, tu excuseras ma brutalité, mes collègues sont très conservateurs. Dans la catégorie blanco-franco-cato, tu comprends? Et au risque de te blesser, avec ton nom et ton apparence, tu augmentes le niveau de difficulté. Ce n'est pas comme si tu t'appelais Robert. Il caressa sa joue droite. J'en suis conscient, mais au moins, si tu peux le faire circuler parmi tes contacts, on ne sait jamais. D'accord. Envoie-moi la version électronique. Je remettrai personnellement ton CV au RH. On verra bien. Il semblait soulagé. Même si ma société recrutait, je ne croyais pas en ses chances. Je connaissais la mentalité des gens qui m'entouraient. Il paya le café. Je me demandais comment il occupait ses journées. J'en profitais pour amener la conversation sur ce sujet. Le matin, je vais au bureau de l'emploi. L'après-midi, je cherche du boulot sur Internet. Je dois absolument trouver un job à mon niveau pour regagner le respect de ma part. Je l'observais interrogatif. En quoi avoir un travail était-il synonyme de respect? Sinon, je prie 5 fois par jour. Ça me libère de mes idées noires. Parfois, j'aide à l'entretien de la mosquée. Ils ont toujours besoin de bénévoles. Voilà.